Oh. Ah ouais. Tu nous as reconnus au moins? Je vais vous raconter l'histoire de mon ours préféré. Écoutez bien. Dans notre village autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons et du berger mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer. Cet ours nous enlève tout repos. Avant 8 jours, il faut avoir sa peau. On partit donc de bon matin dans la forêt qui sentait bon le pain. Avec des pics et des flambeaux, car ce jour-là, il ne faisait pas beau. Nous avons marché tout le jour, mais malgré ça, nous n'avons pas vu l'ours. Pourtant, à la tombée de la nuit, dans un sentier, on voit son œil qui luit. Bah, voilà monsieur le curé qui met en joue et s'en est bien tiré. Mais l'ours qui n'était que blessé, tout étourdi, roula dans le fossé. On le mena à la maison et dans la cave, on le mit en prison. Depuis ce jour apprivoisé, l'ours pas méchant, joyeux et bien rasé, se charge d'un tas de travaux à la fontaine et va quérir de l'eau. Il sait conduire le tracteur au nouvel an, il aime le facteur. À la distribution des prix, c'est son discours qui fut le mieux compris. Depuis qu'il siège au tribunal, on s'aperçoit que ça ne va pas plus mal. Tout marche mieux à la mairie. Ah, ils avaient le même ours à Paris. Bonne année 2017!